Bonjour mes élèves, on continue ce chapitre. Dans cette euh, séance numéro 3, on va calculer euh, des limites en utilisant les théorèmes de comparaison. On va commencer par une activité. Premièrement, soit la suite réelle un définie sur n étoile par un égale sinus n sur n. On va montrer petit a que pour tout n appartenant à N étoile, on a un y compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Petit b, on va calculer limite de moins 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, et limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Petit c, que peut-on conjecturer à propos du comportement de un quand n tend vers plus l'infini Donc, on va faire la correction de cette première question. On connaît que sin n est un nombre compris entre moins 1 et 1. En divisant par n, qui est un nombre strictement positif, on obtient sinus n sur n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Donc, et n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. D'où la réponse. Pour la limite de moins 1 sur n, quand n tombe vers plus l'infini, est égal à moins 1 sur plus l'infini, qui est égal à 0. Pour la limite de 1 sur n, quand n tombe vers plus l'infini, est égal à 1 sur plus l'infini, 1 sur plus l'infini égale 0. Que peut-on conjecturer à propos de la limite de n quand n tombe vers plus l'infini Si on voit bien cet encadrement, la suite n est encadrée par les suites moins 1 sur n et 1 sur n qui ont la même limite lorsque n tombe vers plus l'infini qui est égal à 0. Donc, on peut conjecturer que la limite de n quand n tombe vers plus l'infini est égale pour la deuxième question, on va considérer la suite vn définie sur n par vn égale 2n plus sinus n. On va montrer que pour tout n, vn est supérieur ou égal à 2n moins 1. Petit b, on va calculer les limites de 2n moins 1 quand n tombe vers plus l'infini, et petit c, on va conjecturer le comportement de la suite vn lorsque n tombe vers plus l'infini. Donc, pour la deuxième petite a, comme la première question petite a, on a sin n, y compris entre moins 1 et 1, on va ajouter 2n de chaque côté, donc, euh, l'encadrement donne 2n plus unis n est compris entre 2n moins 1 et 2n plus 1. D'où la suite Vn est compris entre 2n moins 1 et 2n plus 1. Et par, suite, et par suite, la suite Vn est supérieure à 2n moins 1. Pour la limite de 2n moins 1, ça c'est une suite arithmétique de raison r égale 2 qui est supérieure à 0. Donc la limite de 2n 1 lorsque n tombe vers plus l'infini égale plus l'infini. Petit c, si on veut bien l'encadrement, euh, l'inégalité qu'on a, on a Vn est supérieur ou égal à 2n 1, et la limite de 2n 1 est égale à plus l'infini. Avec Vn supérieur à 2n-1. Donc, on peut conjecturer que limite de Vn, quand n tombe vers plus l'infini, égale plus l'infini. Donc, ça, c'est Vn, ce n'est pas Un. Donc, ça, c'est Vn. On peut conjecturer. Donc, ça, c'est Vn, ce n'est pas Un. D'accord Troisièmement, on va considérer maintenant la suite réelle Wn définie sur n par Wn égale moins 1 puissance n moins n. Petit a, on va montrer que pour tout n appartenant à n, wn est inférieur ou égal à n-1, moins 1 moins n. On va calculer la limite de 1 moins n quand n tombe vers plus l'infini. Et on va conjecturer la limite de wn lorsque n tombe vers plus l'infini. La même chose ici. Donc euh, on va corriger ça, c'est Wn. Donc on va conjecturer à propos du comportement de Wn lorsque n tombe vers plus l'infini. On va passer à la correction. Pour la troisième petit a, moins 1 puissance n, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1, car moins 1 puissance n a deux valeurs possibles qui sont moins 1 et 1. Donc on peut encadrer moins 1 puissance n par les valeurs moins 1 et 1. Cela équivaut à, donc, cela équivaut à. moins 1 puissance n moins n est compris entre moins 1 moins n et 1 moins n. On a ajouté moins n de chaque côté et ça donne donc ça donne que Wn qui est égal à moins 1 puissance n moins n est compris entre moins 1 moins n et 1 moins z. Si on voit cet encadrement, on peut déduire que Wn est inférieur ou égal à 1 moins 1. Petit b maintenant. Limite de 1 moins 1 quand on tombe vers plus l'infini, égale à 1 moins plus l'infini. 1 moins plus l'infini est égal à moins l'infini. Que peut-on conjecturer à propos du comportement de Wn quand n tombe vers plus l'infini Donc, si on voit Wn, Wn il est inférieur ou égal à 1 moins n. La limite de 1 moins n égale moins l'infini. Et Wn il est inférieur à 1 moins n qui tombe vers moins l'infini. La conclusion c'est que la limite de Wn égale moins l'infini. D'où le théorème, c'est le théorème de comparaison. Donc, première étoile. Alors, si n est inférieur à Vn, limite de n égale L, ou limite de Vn égale L', ou L et L' sont des réels, alors, puisque N est inférieur à Vn, alors L est inférieur à L'. Si un est compris entre deux suites, WN et VN, et ces deux suites ont la même limite qui est égale à L, alors la limite de un égale à L. Si un IN est inférieur à VN, et la limite de VN est égale moins l'infini, et un IN est inférieur à VN, alors la limite de un est égale moins l'infini. Si un est supérieur à VN, et limite de VN est égale plus l'infini, avec un supérieur à VN qui tombe vers plus l'infini, alors la limite de yen égale plus euh, l'infini. Une euh, conséquence de cette étoile, si valeur absolue de yen inférieure à Vn, c'est-à-dire yen y compris entre yen et moins, entre Vn et moins Vn, et limite de Vn égale 0, donc obligatoirement limite de moins Vn égale 0, ça donne limite de yen égale 0. Donc on peut utiliser... Euh, cette propriété aussi pour calculer des limites, la limite d'une suite, en utilisant euh, la valeur absolue. Une activité à la suite. Maintenant, on va dire dans chacun des cas suivants si la suite est convergente ou divergente. Donc, pour euh, le premier cas. On va supposer que la suite n est comprise entre 1 et 1 plus 1 demi puissance N. Pour le deuxième exemple, on va supposer que n est supérieur à 2 puissance N ou que 2 puissance N est inférieur ou égal à n. Et pour le troisième exemple, on va supposer que n est inférieur à moins 1, moins N. On va voir la convergence de la suite n, si elle est convergente ou divergente. Si on voit le premier exemple, donc, on a IN est compris entre 1 et 1 plus 1 demi puissance n. La limite de 1 quand n tombe vers plus l'infini égale à 1. Pour 1 demi puissance n, c'est une suite géométrique de raison 1,5 qui est compris entre moins 1 et 1, donc sa limite égale 0. D'où la limite de 1 plus 1 demi puissance n, quand n tombe vers plus l'infini égale à 1. Cette limite égale à 1, celle-là égale à 1, donc limite de IN égale à 1, et ça veut dire que la suite IN est convergente. Pour le deuxième exemple, on a un est supérieur à 2 puissance n. La limite de 2 puissance n égale plus l'infini, car il s'agit bien d'une suite géométrique de raison q égale 2 supérieur à 1 et de premier terme 1 supérieur à 0, donc la limite égale plus l'infini. Donc, la limite de yen quand n tombe vers plus l'infini égale plus l'infini. Et ça veut dire que la suite n est divergente. Pour le troisième exemple, on a n inférieur à moins 1 moins n. Et la limite de moins 1 moins n quand n tombe vers plus l'infini égale moins l'infini. Donc la limite de yen quand n tombe vers plus l'infini égale moins l'infini. Et ça veut dire que la suite n est divergente. On va passer maintenant aux suites récurrentes. Et on va commencer par une activité. On va considérer la suite un définie sur n par I0 égale 2 et Un plus 1 égale 1 demi fois un plus 3 pour tout n appartenant à n. On va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, n IN inférieur à 6. On va montrer deuxièmement que la suite IN est croissante. Et on va déduire que la suite IN est convergente et on va calculer sa limite. On va utiliser donc pour la première question un raisonnement par récurrence. On vérifie pour n égale 0, on a 0 égale 2 qui est inférieur à 6, donc ça c'est vrai pour n égale 0. Soit n appartenant à n, on suppose que n est inférieur à 6 et on va démontrer que n plus 1 est inférieur à 6. On part de n inférieur à 6. On multiplie par 1 demi, un demi n IN inférieur à 3, on ajoute 3, 3 plus 3 c'est 6, et donc un plus 1 inférieur à 6. D'où la conclusion, c'est que n IN est inférieur à 6. Donc, la conclusion, c'est que la suite un IN est inférieure à 6 pour tout n appartenant à n. Donc, euh, on a démontré par récurrence que la suite UN est inférieure à 6. Et ça veut dire que cette suite est une suite majorée par 6. Pour la deuxième question, on va étudier la monotonie de la suite UN. Pour cela, on va calculer UN plus 1 moyenne, qui est égal à 1,5 UN plus 3 moyenne, égal à moins 1,5 UN. On a 1 demi UN moyenne. C'est moins 1 demi un plus 3. On peut faire, euh, écrire moins 1 demi facteur de un moins 6. Comme un IN est inférieur à 6, donc un moins 6 est négatif. Moins 1 demi est négatif. Négatif fois négatif, ça donne positif. Donc un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Et par suite, la suite un est croissante. On va déduire que la suite un est convergente maintenant. On a, on a la suite UN croissante et la suite n est majorée par 6. D'après le théorème de la convergence monotone, la suite UN est convergente. Bon, pour le calcul de la limite, on a yn puissant égale demi fois un plus 3. Donc, la limite de Yen puissant, quand on tombe vers plus l'infini, égale la limite de demi un plus 3. On va supposer que la limite de Yen quand on tombe vers plus l'infini, Égale à L. Donc on va supposer, puisque c'est une suite convergente, on va supposer que la limite de yen égale à L. Donc en supposant que la limite de yen égale à L, euh, lorsque la limite de yen égale à L, ça donne aussi que la limite de yen plus 1 égale à L. Quand n tend vers plus l'infini, pour les suites toujours, ça tombe vers n tombe vers plus l'infini. Donc une propriété très, très importante pour le calcul des limites, c'est que si la suite n est convergente et la limite de n quand n tombe vers plus l'infini égale à L, alors limite de n plus 1 égale à L. Donc en, en appliquant ça sur cette égalité. Donc, on a un plus 1 égale 1 demi-un plus 3. Et la limite de un plus 1, donc, en supposant que la limite de un égale à L, la limite de un plus 1 égale à L. Pour les suites convergentes, la limite de 1 demi un plus 3, on a, dit, on a supposé que la limite de un égale à L. Donc la limite de 1 demi un plus 3 égale 1 demi L plus 3. Et l'égalité donne. 1 demi L plus 3 égale à L. Le calcul donne L égale à 6. Donc on a L moins 1 demi L, c'est 1 demi L. 1 demi L égale 3. 1 demi L égale 3 et ça donne L égale 6. D'où la limite de Yen quand on tombe vers plus l'infini égale à 6. On a le théorème, c'est un théorème euh, vu en troisième année, on va le rappeler, soit une suite convergente et A et B de réels. Si limite de n égale L, avec L un réel, alors limite de A et N plus B égale à L plus B. Puisque la limite de n égale à L, donc la limite de A et N plus B, pour des raisons de d'addition euh, et de multiplication des suites convergentes, on a la limite égale à L plus B. On va passer maintenant à une deuxième activité. Pour cela, on va considérer la fonction f définie sur 1,4 par f de x égale 4 sur 5 moins x. Petit a, on va construire dans un repère orthonormé OIJ, la courbe représentative de la fonction f. Petit b, Petit b. on va montrer que f de l'intervalle 1 fermé 1,4 égale l'intervalle fermé 1,4. Deuxièmement, on va considérer la suite UN définie sur n par U0 égale 3. Et un plus 1 égale f de y pour tout n appartenant à n. On va considérer les points m0 de coordonnées i0, 0, m1 de coordonnées i1, 0, m2 de coordonnées i2, 0 et m3 de coordonnées i3, 0. On va tracer la droite delta d'équation y égale x, puis sans calcul, on va placer les points M0, M1, M2 et M3. Petit b, quelle conjecture peut-on émettre à propos de la convergence de la suite y? On va utiliser les suites en utilisant les graphiques ici. Voilà la correction. Voilà, on a représenté premièrement petit a la courbe de la fonction f par quelques points. On a le point 1, 1. Voilà un deuxième point, un troisième point. Donc, euh, pour 4, on a 4 sur 5 moins 4. 5 moins 4 c'est 1, 4 sur 1 égale à 4. Voilà la courbe représentative de la fonction f. Ça, c'est la courbe de f pour la question petit b on va euh, déterminer f de l'intervalle 1,4 euh, si on voit bien la représentation graphique de la fonction f c'est une fonction strictement croissante elle est continue et strictement croissante comment je calcule L'image de l'intervalle borné, fermé borné par une fonction strictement croissante et continue, il suffit de calculer f de 1 et f de 4. Donc f de l'intervalle 1, 4 égale f de 1 qui est égal à 1. Et f de 4, en le calculant, ça donne égal à 4. Donc la f de l'intervalle 1, 4 égale l'intervalle 1, 4. On peut le voir ça sur le graphique. Voilà, si on voit le graphique, voilà, F de 1 égale à 1, F de 4 égale 4, et ça veut dire que l'image de l'intervalle 1,4 égale l'intervalle 1,4. Ça, c'est l'intervalle image. F de 1 égale à 1, F de 4 égale à 4, donc l'image de l'intervalle 1,4, ça, c'est l'intervalle 1,4, égale l'intervalle 1,4. Pour la deuxième question, on va euh, placer les points, deuxièmement petit a, on va placer les points M0, M1, M2, M3 sur la figure, et on va conjecturer la convergence de la suite I-N. Si on revient à la courbe de F, voilà, donc on a I0, I0 égale 3, donc le point M0 de coordonnées 0, 0, ça sera le point M0 de coordonnées 3, 0. Comme IN plus 1 égale F de IN, alors I1 égale F de I0. Donc, ça c'est I0 qui est égal à 3. On va le projeter sur la courbe. On obtient. On obtient I1. Ça c'est I1 mais placé sur l'axe des ordonnées. La droite delta, ça c'est la droite d'équation y égale à x. Donc la droite y égale à x. Cette droite a une chose très particulière, c'est que chaque point de cette droite vérifie l'abscisse égale à son ordonnée. On a y égale x. Donc si je vois, ça c'est la valeur U1. Si je projette I1 sur la droite Y égale X parallèlement à l'axe des abscisses, on obtient cette, ce point-là. Ce point vérifie l'abscisse égale à l'ordonnée. Donc l'abscisse de ce point est égale à I1. Et de cette façon, on construit I1 sur l'axe des abscisses et par suite le point M1 de coordonnées I1, euh, 0. De la même façon, le point... M2 de coordonnées I2, I0. On a I2 égale F de I1. Donc, en projetant I1 sur la courbe de F, on obtient I2. À l'aide de la droite Y égale X, on obtient I2. On, pro, on projette I2 sur la courbe de F, on obtient I3. À l'aide de la droite Y égale X, on obtient le point d'abscisse est 3. Donc voilà une construction des points M0 M1 M2 et M3 sans calcul. Il suffit de projeter sur la courbe puis sur la droite delta et on obtient l'image si pour la question petit b, on remarque que le point M0, M1, M2, M3 s'approche bien du point. De ce point là, c'est le point de coordonnées (1, 0). Donc on peut conjecturer que ça c'est une suite qui converge vers le réel. Voilà donc, on remarque que les points MK de coordonnées (k, 0 s'approchent de plus en plus de, du point I de coordonnées 1, 0. On peut conjecturer que la suite UN converge euh, vers euh, 1. Voilà une autre façon euh, de voir les suites à l'aide des graphiques. Notre séance est euh, terminée. À la prochaine séance. إيش لازم نتصرف كي نمشي نقضي المواد الغذائية باش نحمي روحي من فيروس كورونا المستجد؟ أول حاجة ما تخرج كين عند الضرورة باش تشري المواد الغذائية اللي ناقصتك، وكي تضطر باش تخرج اغسل يديك مليح لمدة عشرين ثانية بالماء والصابون والبس ماسك. ابعد على الاكتظاظ وحاول تشري قضيتك في أوقات غير مزدحمة وفي كل الحالات حافظ على مسافة ما تقلش على مترو بينك وبين الآخرين. وأنت شاد الصف ولا تقضي رد بالك باش ما تمسش وجهك ولا فمك وما تصافح حد. وكي ترجع للدار عقم صباتك على خيشة مبلولة بالماء والجافيل وخليه قدام باب الدار ولا حطو في البركون الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالوعي والسلوكيات السليمة تونس قادرة باش تنتصر على فيروس كورونا